Ah, c'était pour toi? Oui, c'est pour moi, n'est-ce pas? Dans mon café. Ta belle tasse achetée en brocante. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Quoi? C'est pas le vlog de la randonnée? Non, ouais, il est trop non. loin monté. Alors, on vous explique. Nous sommes mercredi, donc pour vous, normalement, techniquement, jeudi, donc 1er mai. Et le vlog, le premier vlog, il y a 130 fichiers, 130 vidéos. Plus les drones, ça fait 150 vidéos. Donc, le vlog arrivera demain ou après-demain. Donc, tout dépend de la motivation de ce soir. Hier soir, bah voilà, vous allez comprendre, hein, on est ultra mort. Bah, on a été ultra mort, là ça va. Corinne a fait le tour de la pendule pour dormir. Voilà, donc pour juste info, on a marché entre 20 et 24 km, on sait pas trop parce que les indications ne sont pas top au niveau de trucs, mais bon, on va vous réexpliquer ça. Et voilà, et on a marché pendant quasiment 12 heures ouais. Sur 24 heures. Donc on est un chouïa HS, mais bon, les vlogs arrivent incessamment sous peu. Je pense même, ce matin déjà, je me suis amusé à trier toutes les photos, il y en a 100 et quelques. Et là, je vais faire des stories Instagram. En fait, je vais toutes les mettre en story Instagram, donc ça risque d'être long. Donc si vous n'êtes pas sur Instagram, si vous n'avez pas de compte Instagram, vous pouvez quand même normalement les voir. Il y aura un petit dossier, ça s'appelle comment les dossiers au-dessus là? Mince, c'est quoi? Permanent, non, les trucs à la une, les stories à la une, merci à elle. Voilà, il y aura un petit truc story à la une avec écrit les randos, les gorges, je sais pas trop ce que je vais marquer, mais voilà. Et il y a toutes les photos, je vais mettre toutes les photos. Donc je pense que quand tu auras vu ce vlog, si tu es abonné à Instagram, tu auras vu genre 150 photos passées en story. Voilà, voilou. Aujourd'hui, donc 1er mai, on va clôturer le côté randonnée, vous verrez ça. Voilà, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné et à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Et merci pour les utipeurs. Voilà, petit message qui passe. Et en plus, alors si tu n'as pas de compte Instagram, si tu as un compte, genre si tu vas regarder les utipes, tu as les photos Instagram, j'ai remarqué ça. Il y a les photos Instagram parce que j'ai eu des likes sur le Utip. Ah ouais, ouais. Ah, c'est vrai. En fait, on peut mettre des likes sur Utip. Donc voilà, donc j'ai remarqué ça ce matin. Voilà, voilà. Donc nous sommes mercredi 1er mai et qui dit 1er mai dit. La fête du travail. Nous n'allons pas travailler. Non, je rigole. Non, ah, j'allais même pas dire ça, j'allais dire brocante. Ah. Mais c'est vrai, fête du travail. Donc techniquement, personne travaille. Bah, techniquement. J'espère. Si, McDo travaille. Ouais. McDo travaille tout le temps. À tapin, on travaillait le 1er mai. Ouais, on travaillait le 1er mai, c'est vrai. Ah, ouais. Donc déjà, ouais, McDo, Burger King, à mon avis, et tous les restaurants comme ça, bon courage. Ouais, bon, ouais. Je sais, quand tu verras ce vlog, si tu travailles, tu auras déjà travaillé ou tu as eu de la chance et tu n'as pas travaillé. Ouais. Donc, mais qui dit, voilà, jour férié dit souvent brocante. Donc là, nous avons quelques petites brocantes à faire. Voilà, essayer de trouver 2-3 petits trucs. Je dis bien petit parce que, comme on vous l'a déjà dit, on n'a pas grand chose besoin. On n'a pas besoin de grand chose. Alors, hier c'est encore pire. Ah ouais. Hier, on n'arrivait même pas à trouver nos mots, tout ça. Voilà. Hier, pour vous, dans les blocs, dans les prochains vlogs. Désolé, mais bon. Ouais, désolé, ça va être un peu compliqué, mais bon. Soit tu montes ton vlog, soit on reste à la maison, à la maison bloquée, et voilà. Donc, je précise aussi, le vlog risque de durer genre une demi-heure, voire une heure. Alors, au pire, dites-moi si vous préférez, si dure, parce que je pense qu'il va durer au moins 40 minutes. Au moins. Si, ouais, il préfère si vous préférez un ou deux vlogs, comme ça je mets un vlog et le lendemain je mettrai la suite. Dites-moi ce que vous en pensez parce que c'est vous qui allez le regarder, donc j'imagine bien que 40 minutes, voire une heure selon. Selon le truc, ça risque d'être un peu compliqué. Et je pense que je ne mettrai pas du tout, quasiment pas de musique. À part quand il y aura le drone parce qu'il n'y a pas de son ambiant. Mais je pense que je vais laisser vraiment tel quel. Oui, Corinne est en train de faire
les repas du midi. Ouais, je me suis marqué. Pendant que je papote. En fait, à l'origine, on devait papoter tous les deux, mais en fait, elle préfère que je papote tout seul. Mais voilà. Non, mais c'est comme ça, on gagne du temps sur le. Et donc, je pense que ouais, je vais laisser les sons ambiants pour que ça soit vraiment imprégné du truc. Parce que, franchement. Vous nous entendez dire putain. Non. Bon. On est pas. Je vous avoue. Le vlog du lendemain, donc parce que celui-ci en fait il était super facile à compresser, donc je l'ai déjà monté. Il était rapide. Comment elle gueule, ouais, parce que en fait hier soir on est arrivé, j'ai monté cette journée-là. Il n'y avait pas beaucoup de fichiers, donc c'était le réveil, le bilan de la truc, une crampe qu'on s'est mangée. Ah ouais, n'hésitez pas à les voir, hein, parce que hier c'était folklore, hein. C'était la puissance. Et après on est rentré, voilà. Donc j'ai monté ça, j'ai monté la vidéo aussi de la créa que vous avez peut-être eu mercredi soir, si tout va bien, parce que là elle est en upload mercredi matin. Voilà, ouais, j'étais motivé quand même, assez motivé. Putain, Romain, tu parles trop, ça fait déjà 6 minutes le mec il parle trop. Bah ouais, mais en même temps, il y a des briefs, il y a tellement de choses à dire sur cette randonnée, voilà. Ah, bien. Et donc, ouais, je pense que je vais vous mettre un vlog. Je vais juste vous caler bien les vidéos et vous aurez un vlog sans musique, ambiant, avec Corinne qui gueule. Je gueule pas, je m'exprime. Bref, allez, j'arrête de parler. J'espère que voilà, j'espère que ça va. Et nous, on part sur des brocantes. Bonne journée. Mais bah attends. 1 euro pièce, madame. 1 euro là. On a fait notre première brocante et là on arrive sur la deuxième vinasson. Et sur la première on a trouvé les oreilles du tic et tac, les 25 ans en fait, pour 1 euro. Je me suis dit pour 1 euro, ce serait dommage de les laisser pourrir. Voilà, donc petite. On va les ramener à la maison, on va les laver, on les ramènera à la maison. Je viens enfin de finir de trier toutes les photos sur Instagram. Ça m'a pris genre une demi-heure le trajet, mais plus avant, voilà. Bref, donc en tout cas, il y a un petit story à la une pour voir toutes les photos de la randonnée. Bref, à l'origine, on est sur une brocante aujourd'hui. Allez, go. Donc on part sur la deuxième brocante finissant et elle a l'air grande, immense. Ouais. Bonne question. À part là, on a plus de monde. Non. Il fait vraiment trop chaud. Allez, on se dépoile. On met des likes pour Non, plus sérieusement, on n'a pas trouvé grand chose. Alors par contre, on n'était vraiment pas prêt pour cette brocante. Elle fait la taille de notre village. Voire même plus grand. Mais on a mis plus d'une heure pour la faire. C'est abusé. Donc Corinne, elle a trouvé ça. C'est des trucs pour pouvoir faire des petits dessins avec des petites piques. Ouais, c'est vraiment des trucs à l'ancienne, il faut qu'on regarde, mais c'est pas mal. Je sais pas si vous connaissez. Voilà. Ça fait longtemps que je voulais qu'on avoir un. Donc voilà. Bon, j'espère juste qu'il est complet. Hein. Donc, complet, tu crois pas trop, mais il y a beaucoup. Ouais, mais bon, si normalement il y a 600 pièces, si t'en as que 100, je veux dire. Ah, je pensais que t'allais l'ouvrir, c'est pour ça. Ah. Ah, si, ouais. Ouais, il est pas complet, mais. Ouais, mais bon. Allez, oh, mais regarde les trucs, ils sont pleins. Ah, là les deux autres, c'est vrai. Ouais. Elle a trouvé ça pour 4 euros. Ouais, donc c'est pas accessible. Elle aurait pu négocier, elle a pas voulu. Ouais, moi j'ose pas. Et si j'ai négocié mes robes. Je me suis trouvé deux robes, comme ça, courtes. Ouais, voilà. C'est des robes. Voilà, et si c'est. Ah, oh, et celle-là. Les deux pour 7 euros, au lieu de 8. Bon, ah, ouais, quand même. Bah, quand même, non. Et on a trouvé. En panne, ça.
Un pins, ouais, vous allez pas le voir. Euro Disney, Glace Gervais. Alors, en fait, Disneyland, quand ils ont ouvert, ils ont fait des sponsors avec toutes les marques. C'est clair. Donc, avec le château. Tout simple, 50 centimes. Bon, normalement, un pin, ça coûte 30 centimes. Hein. Bon, après, les Disney font que ils coûtent un peu plus cher, mais voilà. Quoi. Voilà, bref, il est. Franchement, il est quoi, Une heure et quart. On a mis 1h30 à faire la brocante. Ouais, 1h30 du coup. Ouais. 1h30 à faire la brocante, elle est énorme. Et il y a un coin qu'on n'a pas fait parce que. Vas-y, tu l'as ton gamin là. Psychologiquement, on a mal au genou. Ouais, en fait, il y a un coin qu'on n'a pas fait en fait parce qu'on est arrivé. Il y avait un champ entier en plus. On s'est dit, oh non, on va pas tout faire. Voilà. Bref, on va se trouver un petit coin pour manger. Ouais. Et après, on va faire une dernière brocante. Et après, on va à la plage. De toute façon, la brocante, elle est à Gruissant. Donc, ouais. Gruissant, plage. Et on va essayer de se baigner. Ils vont essayer. Tue-le, ton gamin. T'as le droit de mettre un pouce rouge pour ce que j'ai dit. On s'est trouvé encore un petit coin plutôt sympa pour déjeuner ce midi. Je vais tout de suite vous montrer. Regardez. Je vais vous montrer l'endroit. Alors, on va manger. Allez, attends, viens. Ici. Et regardez. Cette vue de psychopathe. Là, c'est Narbonne. Là, c'est Narbonne. Et en fait, nous sommes dans la clape entre Narbonne et Gruissant. On est monté avec la voiture. Hein. C'était un peu pas galère parce que voilà, mais ça faisait un peu peur. Mais on a une vue de psychopathe encore. Bon, elle était pas sympa ce petit endroit où on a pique-niqué. Ouais, c'était sympa. Ouais, on a franchement à chaque fois on a le nez de trouver des bons petits plans, des bons petits endroits comme ça à l'arrache. En fait, faut toujours s'aventurer sur les chemins, voilà, où tout le monde, où personne ne va surtout, où personne ne va. Et derrière les fagots, quoi, comme on dirait. Bon, on arrive sur la dernière brocante de la journée, parce qu'il n'y a pas énormément de brocantes. Ouais, hein, 3, c'est bien pour nous. Voilà, et de toute façon, surtout qu'il fait très beau et qu'on va se mettre à la plage après. Ouais. Nous sommes à Gruissant. Donc on l'a fait il n'y a pas si longtemps que ça, sauf que là, il y a le double, voire le triple de participants, d'exposants, donc déjà, ce sera un peu mieux. De la température est attribué à Gruissant avec un petit 30 degrés. Bon, comme tout à l'heure, Vincent. Ouais, mais 30 degrés, c'est quand même pas mal. Gruissant, oui, un peu à côté de la mer, oui, c'est. Ouais. Un petit 30 degrés.
Que demander de plus? Un petit 35. Ouais, un petit 36 aussi. Un petit 40 aussi. Juste un livre sur cette brocante. On n'est pas sûr à 100% de l'avoir. Techniquement, moi, il ne me dit rien du tout. Je pense pas qu'on l'ait. Voilà. Ça va remplir la connexion, la collection. La collection. Pas la connexion. Voilà. De des livres qu'on a déjà. Voilà. Bref, on va à la mer. Il fait trop chaud. Ouais. Nous sommes arrivés à Gruissant et vous pouvez peut-être entendre qu'il y a énormément de vent. Il y a énormément de vent, on est dégoûté. Il n'y avait pas de vent où on était, mais là vu que c'est bien pas couvert en fait, en gros il y a trop de vent quoi. Bon, finalement on a de la chance, on l'avait pas, donc le bossu de Notre-Dame arrive avec le de, avec, en fait on n'a même pas le bossu de Notre-Dame normal, donc là c'est Quasimodo de l'ami fidèle, on n'a même pas le normal, le Notre-Dame de Paris, le Notre-Dame de Paris, le bossu de Notre-Dame, voilà la collection, hein. Alors vous pouvez voir aussi qu'il y a un chapeau juste ici, c'est parce que Woody arrive là. Alors je sais pas si on vous l'avait montré, ce petit endroit. Donc on a trouvé un petit Buzz l'éclair la dernière fois dans un petit magasin. Il y a les pop que Ludivine nous a, que m'a offert pour Noël. Il y a le Avenger Endgame, hein. Et des petites pop aussi qu'on a trouvé à Noz. Mais tout ça techniquement ça devrait bouger parce que bref, on verra ça plus tard. Et ça devrait bouger dans incessamment sous peu, donc techniquement, là pour le moment je vous montre comme ça, mais après ça va bouger. Vous pouvez voir aussi que j'ai pris un méga gros coup de soleil. Heureusement que j'ai enlevé mon t-shirt sur la deuxième brocante, parce que sinon en gros j'aurais la marque, on va dire le bronzage parisien, voilà, ou agricole, plus agricole que parisien. Désolé les parisiens, mais c'est vrai que vous avez un bronzage au niveau des bras. Hein, désolé, c'est pas moi qui l'ai inventé ce bronzage, hein. Bref, voilà, on va se quitter là sur cette vidéo parce que je vais monter ce vlog ce soir, c'est barbecue, hein, pour les côtés info. Non, plus sérieusement, je vais monter ce vlog. Il faut absolument que j'arrive à le compresser assez rapidement, mais bon, j'y crois pas trop, pour pouvoir commencer à monter l'autre vlog sur la randonnée. J'ai bien créé un petit Insta story à la une. Donc il y a deux albums si vous voulez voir les photos pour le moment, en attendant le truc, le vlog. Bref, j'arrête de parler. Je vous dis donc à demain si tout va bien. Tchou.